Et bien salut à tous, c'est Marlock les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ça faisait super longtemps, bah ça fait un bail de ouf. Bah aujourd'hui on se retrouve pour les 6 ans du jeu, voilà. Il y a les nouveaux LR, les nouveaux portails, j'ai 465 DS à péter avec les quelques tickets etc. Donc on va partir là-dessus. Alors bah tout simplement, on va aller dans l'invocation, on va voir un peu les portails ce qu'il y a. Donc dans le premier portail il y a le nouveau Goku Ultra Instinct LR. Pouah, il pète sa mère, hein, il pète sa mère, il est pas mal du tout. Catégorie éveil miraculeux ou représentant de l'univers 7. Mince. Du coup on retrouve un petit Gohan Ultime avec Piccolo. Ensuite on retrouve des anciens LR tels que Bugotenks. Le Gohan enfant agit. Bah du coup Goku et SJ4. Et on a quelques petits compléments assez intéressants comme le divin Kaioken, un petit Beerus, le petit ange, des petits Goku Ultra Instinct Int, un petit Golden Freezer, ange, ce serait pas mal que je l'ai là. Et après, voilà quoi, c'est un petit peu du surplus. Évidemment, on peut faire du hors-portail. Dans le deuxième, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, on a le nouveau Vegeta LR. Vraiment. Pas mal, hein, pas mal du tout. Qui se transforme et qui devient torse nu, attention. Torse nu. Du coup, on a un petit Golden Freezer Ange avec Gohan Ultime. Tel que bah, pour l'autre portail, on a Piccolo et Gohan. Du coup, on retrouve le Gogeta. Non, le Végéto, my bad. Le Végéto. On retrouve le petit Cell. Végéta SJK cette fois. Et quelques compléments aussi, pareil. Kefla, Hit, Vegeta, le Vegeta divin, et voilà, on a du surplus, etc. Alors, après, on a des portails comme ça, là, comme ceci, avec 66 invocations dedans, et les tickets des 6 ans. On va faire une rota déjà chacun dans chaque portail, et on commence par le Goku divin, évidemment. On va essayer de choper le nouveau LR. On a la musique d'Ultra Instinct en même temps qui se lance, ça c'est incroyable. On va essayer de choper ça. Pour l'instant, on a juste un petit Tenshinhan qui accompagne Goku. On a quoi? On a un petit SSJ2. C'est ça. La première sent un peu mauvais, hein, on va pas se le cacher. Petit Kaozu. Yamcha, petit sel, première forme, encore un Tenshinhan. On va bientôt arriver au SSR de fin. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a un leader catégorie, il y a un maître et disciple. Bon bah déjà au moins on a un lead catégorie, c'est déjà pas mal parce que vu comment ça se présentait, ça me paraissait assez compliqué. Faudra pas oublier les petits tickets. Alors 30, 35, ça va être 30, 35, 45 comme d'habitude, les rotas. Si je me trompe pas. On a créé un tout seul c'est très très bon signe. Attention. Est-ce qu'il va aller jusqu'au SSJ3? Peut-être au divin. SSJ2. Que le SSJ2, très bien. Est-ce qu'éventuellement un broc d'écran? Non plus. Mais Krilin solo, ça nous donne le Golden Freezer Ange que je voulais. Nickel, je ne l'avais pas. Depuis le temps que je l'attendais, ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait déjà au moins 3 ans pendant un anniversaire aussi. Ça date de ouf, hein. Gohan Ultime, on a un Sangoku signe de l'Ultra Instinct. Bah nickel, ça fera des doublons, j'espère que je l'ai pas fini. Un deuxième Sangoku signe de l'Ultra Instinct. Bah dis donc, ça s'enchaîne. Du coup, on aura 4 SSR sur cette multi. Ok, très bien. Et on a le Gohan LR. Le Gohan LR enfant. On aura un cinquième SSR du coup enfin. Un Son Goku Super Saiyan 2 un peu moins bien. Bah nickel, on a un petit Gohan LR. On a eu 200 Goku Sin Ultra Instinct. Et un petit Golden Freezer, ça fait plaisir. Voilà. On va finir la rota avec les 45 pour avoir la gratuite après. Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement? On a Krillin et Trunks. C'est pas foufou. Parce qu'il me semble que Krillin doit être seul. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il me semble que Krillin doit être seul.
Et donc voilà, ça me paraît difficile de choper un bon truc là-dessus. Après, vu les multis qu'on a eu avant. Non, toujours rien, c'est 18, c'est 17. On a. Oh, on a quand même le Sangoku Super Saiyan Divin Kaioken, je ne l'avais pas. Ça fait plaisir, si quand même ça fait plaisir. Et on a un petit Trunks Zeno. Ouais, bon, Trunks Zeno. Ah, c'était pas fini. On avait Vegeta aussi. Ok, là, très bien. 3 SSR pour celle-là, ok, ça va, dont un vedette. Nickel. Bah, je l'avais pas, c'est cool en plus. Ça va pouvoir compléter la collecte. Même si je suis plus trop sur le jeu, ça fait toujours plaisir quoi. Voilà, on a du monde, mais rien de très intéressant en termes de coordination. SSJ3, ok, très bien. On a un petit SSJ3, même si ça veut plus trop rien dire maintenant. SSJ3, ça reste toujours, toujours ça quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? Dabra, c'est un leader catégorie Saga de Boo, c'est ça? Ok, d'accord, très bien. Bah, je l'avais pas. Mais c'était pas un perso vedette. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là-dedans? Ça fait déjà notre quatrième multi. On s'est plutôt bien fait rincer. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors. Lunch, bah, leader catégorie fille pleine de vie. Ça fait plaisir. Ça sera utile notamment pour tout ce qui est. Bah, j'ai oublié le nom. Mais les trucs par équipe quoi. Alors, on part sur le Vegeta instantanément. Yamchabou, c'est pas très bon. J'aimerais bien avoir un changement de planète, une petite animation sympa avec Whis ou un petit Végéto Blue peut-être dans cette multi. Ce serait pas mal. Pourquoi pas? Alors, on a un petit Piccolo. Un petit Denshinan. Sarbon. Ok. Jizz. Cell. Krillin. Hop. Vegeta. Que du SR, que du SR. Hein. Et Trunks Super Saiyan John. Bon, cette multi, c'est la plus nulle de toutes, hein, on va pas se le cacher. Elle était rincée. Ah, uniquement. Ouais. S'il est qu'avec lui, je pense pas que ça va être bon. Le petit virus. Ah, si, animation Whis! Ah, ça marche quand même avec Beerus. Je pensais qu'il fallait qu'il y ait Whis dans la VOC. Bah, du coup, on a l'animation Végéto. Végéto divin. SSR garanti. LR garanti, je veux dire. Ça, c'est bon, ça. J'en parlais justement juste avant là. Incroyable. Petite animation Whis qui fait plaisir. Alors. Gohan Jaune. Le Golden Freezer. Puis, du coup, que nous n'avions pas. Ok. Mais ce n'est pas le LR. Il nous faudrait le LR, le Vegeta. Ce serait un plaisir parce que le reste, je l'étais déjà. Ce serait lui? C'est le nouveau Vegeta LR? Eh bah voilà, monsieur! Le nouveau Vegeta LR! Ah bah ça me met bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à choper le Goku LR sur l'autre portail, hein. Bon, il nous reste un du cycle pour pouvoir faire les deux multis. Donc bon, on va faire un du cycle, on va faire les multis gratos après, et ça sera ça. Même si je doute qu'on ait grand chose. Sur celle-là, avec juste Kaozu, on n'aura rien. Après qu'un peu de chance, le SSR garanti sera peut-être un leader catégorie ou un petit Dokkan Fest. Majin Vegeta en plus, bon, on aura deux SSR minimum. Ouais. Bon, on va arriver sur la fin là.
Et du coup, on a Raditz. Oh, leader catégorie carry inférieur. Bah, c'est nickel, je l'avais pas. On a quand même un leader catégorie. Je ne vais pas m'en plaindre. En vente, qu'est-ce qu'on a? Sélectionner les Monsieur Satan, parce qu'on en a pas mal. Voilà. C'est quoi? Ah bah oui, c'est vrai qu'on s'en fout de toute façon qu'il y ait des persos en trop. Suis-je bête? On a un Whis avec un Vegeta. Potentiellement un Vegeto. Potentiellement il se transforme déjà en Saiyan. Allez, petit Vegeto. Pas de Vegeto malheureusement. Peut-être Whis qui va faire le taf. Ouais. Aucune animation malheureusement. C'est dommage. On avait les clés, on avait tout en main. Alors on a un vieux bout. Alors celui-là il est à chier pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ah, on a encore le Dabra. Leader catégorie Sagatbu. Très bien. Alors, il nous reste 245 DS. On va se faire les petites invocations tickets. Et après on reviendra pour voir ce qu'on peut éventuellement se faire comme petit plaisir. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les tickets. Ce sera que des surprises du coup. Si on a un bon truc là-dedans. Je sais même pas s'il y a des SR garantis. Non, il n'y a pas de SR garantie avec les tickets. C'est 7 persos. Et basta. Ouais, voilà. Bon, j'espère avoir des bons trucs. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de revenir sur le Goku, je pense, après. Essayer d'avoir le Goku divin. Parce qu'en soit, les 66 persos, là, le gros portail, bah déjà, il me manque des DS. Et ensuite c'est pas très intéressant. Alors que si j'arrive à avoir Goku Divin, en plus je peux choper des tickets. Ouais, je peux faire encore un cycle plus une multi gratos. Après j'ai des tickets gratos qui m'attendent dans la boîte. On peut se mettre bien. On peut se mettre bien. On va se voir ça. Pour l'instant, les tickets. Ah, Tenshin et Kaozu et Yamcha, c'est un bon truc. Du coup on a un SSR là-dedans. On a un petit SSR, ça fait plaisir. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir un bon SSR? Telle est la question. Bon, bon, on a dispo. Il est pas dingue dispo. Hein. Ouais. Ouais. Alors, seulement Trunks, très bien. On n'a pas eu de petite animation, bah mais après c'est du LR garanti il me semble. Mais un petit Trunks qui porte May, un petit Satan sur bout. On n'a pas eu des petites planètes différentes. On a juste eu le Whis en finale. Hein. Le Whis qui nous a donné un Vegito Blue du coup. Alors voyons voir. Ok. Pareil, lui tout seul il sert à rien. Du coup bah on va skip vite fait la multi, on va pas trop perdre de temps sur les tickets vu qu'il n'y a pas de serre garantie. Et qu'on a des invocations assez nulles au niveau des tickets. Les tickets sont pas dingues. Ils sont pas dingues. Kaozu Kri et Trunks. Petit arc-en-ciel. Ah. Arc-en-ciel, ça veut dire qu'on a des persos du portail. D'accord, très bien. Encore un leader catégorie fille pleine de vie. Brian de Château. Eh ben écoutez, pourquoi pas. Et on a un petit bout athlétique. Ça fait 2 SSR sur cette multi là.
C'est pas mal. Parce que les tickets nous ont un peu déçus. Franchement, là j'ai pas envie qu'il se transforme, voilà. Tu te transformes pas parce que ce serait dommage de gâcher un végétaux pour ça, quoi. Ouais. Y'a pas. Dernière multi-ticket. Ah, on a Trunks tout seul. Sans Mei avec un petit Krilin qui l'accompagne. Du coup, ça va être assez rapide. Normalement, il n'y a pas de SSR là-dessus. Voilà. Alors maintenant, on va retaper un cycle sur le Goku. Parce qu'il nous le faut ce LR. Il nous le faut. On a réussi à faire le braquage sur Vegeta. Ah, le Vegeta qui arrive. Allez, le Vegeta, s'il te plaît, Vegeto. Le Vegeto. C'est un Vegeto normal et non blue. Mais c'est un Vegeto tout de même. Donc c'est à part sur du portail. Un bon perso. Il me semble que c'est un Dokkenfest obligatoire. Ça, on va arriver sur le dernier perso. Et c'est le Goku divin Kaioken qu'on a eu tout à l'heure. C'est bien ça. C'est Dokkenfest. Et du coup, après, on a un petit Goku Endurance. On a connu mieux, on a connu mieux. Contre des pièces. On s'en fout. Je savais même pas qu'ils avaient ajouté ça. Très bien, très bien. Pas trop de cohérence dans ce qui l'accompagne. Bon. Ça reste du verso de portail. Avec de l'arc-en-ciel. On reste sur du SSJ2. Pas très intéressant. Sangwan ultime. Donc ça doit pas être lui le perso de portail. Ok, Freezer. Petit bout. Et normalement ça va être pas loin du dernier là. Ouais. Ah oui, d'accord. Piccolo vieux. Après ça reste un leader catégorie pour l'arc enfant. Donc ça va, en vrai ça va. C'est fine. Et là c'est la dernière. Et puis après on en a une gratos. Donc est-ce qu'on va avoir de l'accompagnement? Tenchai Kaozu et le petit Yamcha. Oh si tu si il se transformait pas au moment du Kamehameha et qu'il y avait un petit proc écran, ça m'aurait fait plaisir. On a eu zéro écran cassé quand même, hein. C'est incroyable. Ah, un switch. Un switch pour peut-être le nouvel air. Ah non, mais encore celui-là. Ah, oh, on veut pas le Gohan agi, on s'en fout. Nous, on veut le nouvel air. Ouais. Là, c'est le seum, la semence. C'est dommage, j'allais te dire. Ça aurait pu être le nouveau LR qui tombe. Ça aurait été beaucoup mieux. Très bien. A chaque fois on a eu un légendaire sur ce portail, sur les deux rotas qu'on a faites. Mais c'était deux fois le même. Et deux fois on l'a déjà. Donc ma foi pas très rentable. Oh il ne se transforme pas, peut-être. Peut-être qu'il y a un écran brisé. Peut-être que. Enfin l'écran brisé, tu avais Immaculé Freezer. Oh mamma. Enfin une animation d'écran brisé parce que ça c'est un paquet de multi qu'on a fait quand même. Alors tu avais ma colère, ça va être c'est quoi? C'est un perso du portail, un Dokkenfest. Bota Magetta. Ok très bien. Il me semble pas que je crois que je l'avais. Je crois que je l'avais. Ok.
Ok, ça va être le dernier. On a May. May Int. Pas dingue, hein. Pas dingue tout ça. Bon, il reste 95 DS, je refais une multi là-dessus. Parce qu'il nous faut à tout prix le Goku. C'est ce qui nous intéresse le plus. On a un Vegeta. Pas de transformation. Ça, c'est problématique. Mais on a merci les Dragon Ball. Ok. On a eu qu'un cassage d'écran. J'aurais bien voulu un Végéto, on aurait peut-être une chance d'avoir un Végéto divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nezu, ça va arriver je pense. Mais c'est ça va arriver. Kaozu, allez. C'est lui le SSR, Son Goku, Super Saiyan Divin. Et bah c'était bien de la merde. C'était nul. On va récupérer les tickets. Alors on a combien de tickets? 21 et 9 de l'autre côté. Très bien. 21 ça me fait 2 multi là-dessus. Donne-moi ça. Oh, mais c'est une transformation Végéto ça? Végéto obligatoire? Ah, il n'est pas divin, dommage. J'aurais bien voulu un petit Végéto Blue là. Bon, allez. Végéto. S'il te plaît, donne-nous le nouveau Goku. Allez, le nouveau Goku l'air. Ultra Instinct. Oh non, mais non, pas le Golden Freezer Ange. Monsieur. C'est un très bon perso, mais. Mais c'est pas le LR qu'on cherche. Peut-être sur le dernier. Ah bah non, bon là, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Lui, servir en food, hein. Il me semble qu'il peut servir en food. La dernière multi. Oh, Gotenks avec Kaozu. Ça sent pas bon. Si j'ai pas un petit SS J3, un petit SS divin. Divin. Oh, t'as pu forcer un peu. Dernière chance pour avoir le Goku de l'Ultra Instinct. Dans cette Summon Session. Peut-être. Encore lui, le Golden Freezer Orange, partout. Partout où il va. Il est là. Et un petit Gohan ultime. Hélas, c'est terminé. Oh, allez, il reste un ticket là-dessus. De toute façon, ça servira à rien. J'arriverai pas à retaper une session complète dessus. En tant que single, peut-être. Non, là, ça va être un vieux SR à la con. Ouais. Petit virus pour finir. Ouais, ça c'est pareil. Hop, on va finir avec cette single là. Et ce sera suffisant. Bon, on a quand même réussi à voir deux fois le même LR, une fois le nouveau Vegeta LR quand même. Pas mal de persos d'Okenfest. Le problème c'est qu'il y a un truc qui me fait peur, c'est que... dans les... Alors, ils sont où, les petits... les Int. Non, c'est bon. J'avais pas de doublon dessus, donc ça va. Tout va bien. Très bien. Bon, ça, je gérerai ça plus tard. J'avais peur de l'avoir trop de fois, lui. Bah, du coup, voilà. C'était tout pour cette incroyable Summon Session Dokkan Battle. Bon, on n'a pas eu, malheureusement, le Goku Ultra Instinct.
C'est dommage d'ailleurs, c'était le principal objectif de cette vidéo. Parce que tout de même. Magnifique. Mais on a quand même réussi à avoir le Vegeta divin, le nouveau LR. Et ça reste quand même très très louable pour une summon session, hein, 3 LR. Ça reste pas mal, voilà, on va pas se tout cacher, ça reste pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous avez dans vos commentaires. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt les potes. Tchuss, c'était Marlock.